Elle était belle celle-là. Yo les gars, c'est Lévi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous apprends à tirer comme Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ou Zlatan, c'est-à-dire à frapper d'une manière très flottante avec le ballon qui va vers la droite ou la gauche d'une façon assez aléatoire. Donc c'est une technique qui réunit puissance, précision et effet. C'est une technique pas facile à apprendre, mais très efficace. C'est parti. Alors cette technique, elle repose à 75% à la manière dont vous allez frapper le ballon. Donc il faut frapper le ballon avec un mélange d'intérieur du pied et du coup du pied, je vais vous montrer après. Vraiment juste en dessous du milieu, pas en dessous parce qu'après le ballon il va tourner de cette manière et ça va pas faire un bon effet, ni trop parce qu'après il va pas décoller, il va tourner dans ce sens là. Il faut vraiment bien taper juste en dessous du milieu avec la bonne partie du pied et il faut frapper assez fort pour qu'il y ait un bon effet. Donc comme je l'ai dit, il faut frapper le ballon juste en dessous du milieu, donc là. Donc ensuite il faut utiliser cette partie du pied, ici là, vraiment sur le dessus. C'est vraiment un mélange entre l'intérieur et le coup du pied, c'est ni là, ni là. C'est vraiment le mélange, là. Ensuite, vous frappez comme ça. Ici. Et vous fouettez bien le ballon avec la bonne partie du pied. Vraiment bien, juste en dessous du milieu. Et normalement, vous avez un bon effet. Alors ensuite, il y a une autre étape assez importante, c'est la prise d'élan. Donc si vous êtes sur un coup franc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre quelques pas de recul. Ça varie en fonction des joueurs parce que moi je suis assez grand donc je prends pas beaucoup de pas, mais si vous êtes plus petit vous prenez forcément plus de pas de recul. Donc moi j'en prends seulement 4 ou 5, hein. Juste 3-4 pas et j'en prends un sur le côté. Donc ensuite quand vous êtes comme ça, vous courez de façon rapide vers le ballon sur la pointe des pieds et vous frappez. Sans faire peur au caméraman, c'est mieux. Maintenant si vous voulez utiliser cette technique en plein match, c'est pas compliqué, c'est une technique qui marche quand vous êtes en pleine course, pas quand vous êtes à l'arrêt. Ça suffit pas beaucoup, juste que le ballon soit un peu devant vous, à 2-3 mètres, vous courez rapidement vers le ballon sur la pointe des pieds, vous frappez. Donc ça suffit pas beaucoup. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment bien vous positionner quand vous frappez le ballon. Donc il ne faut pas être trop penché, sinon ça va partir n'importe comment. Donc comme dans toutes les techniques de frappe, il ne faut pas être trop incliné en arrière. Ensuite, il ne faut pas non plus être trop penché vers l'avant. Le ballon, il va rester plaqué au sol. Ce qu'il faut, c'est rester à peu près droit. Et après avoir frappé le ballon, se pencher légèrement vers l'avant. Et quand vous avez frappé le ballon, pardon, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit saut pour garder l'équilibre. Moi, c'est ce que je fais. Donc je fais ça. Voilà, je fais un petit saut sur le côté pour garder l'équilibre, pour rester bien droit, bien équilibré quand je frappe le ballon. Bon voilà les gars, maintenant je passe à la conclusion. Donc si vous voulez réussir ce genre de frappe, il faut beaucoup d'entraînement parce que c'est une technique vraiment pas facile. Ça met beaucoup de temps avant de l'apprendre, mais moi j'y arrive pas tout le temps parce que je suis pas encore assez doué pour y arriver à tous les coups. Donc aussi, ce que je vous conseille, c'est une bonne paire de chaussures. Parce que j'ai remarqué qu'avec une bonne paire de chaussures, on y arrive mieux. Avec les chaussures bas de gamme à 40 €, c'est un petit peu plus dur. Maintenant, je suis passé avec la gamme au-dessus qui vaut pas non plus très très cher, à 70 €. Et j'ai remarqué que c'était plus simple. Ensuite, au niveau des ballons, je pense pas que ça joue beaucoup. Je pense que si le ballon est bien gonflé, il n'y a pas de souci et ça se passe bien. Donc voilà, donc maintenant, c'est parti pour les exemples. Elle était bien celle-là, non?
Voilà les gars, c'est la fin de ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu et que ça va vous aider à frapper comme Ronaldo, Bale ou d'autres joueurs qui frappent avec cette technique. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À la prochaine vidéo les gars. Allez, salut. Drop it down like